Vous êtes où? La sortie a été bloquée par l'inondation. Il y a une échelle au sommet, mais on ne peut pas l'atteindre. D'accord. Je vais essayer de vous rejoindre. Je dois apporter l'échelle en haut du bâtiment. Je peux peut-être traverser grâce à celle qui est cassée à côté. Cet arbre est sur le point de tomber. Si je le pousse un peu, ça pourrait faire un pont vers le bâtiment en ruine. Ça a marché. Il n'y a plus qu'à grimper à l'intérieur pour accéder au sommet. De là-bas, je pourrais traverser jusqu'aux survivants. Voilà l'échelle de l'autre tour. Je devrais pouvoir sauter. Wow, wow! C'était notre seule issue! Je ferais mieux d'aller d'abord voir les survivants.
Est-ce que tout le monde va bien? Mais tu n'es pas des nôtres? Désolée. Oui. On s'est abrité ici quand une coulée de boue a envahi le village. Mais des gravats ont bloqué l'accès qu'on a utilisé. Cette échelle était notre seule issue. Mais on ne pouvait pas l'atteindre d'ici. Ça ira. Je vais trouver un autre moyen de sortir. Tu sais ce qui est arrivé aux autres? Avant de se réfugier ici, il m'a semblé voir quelques-uns de nos camarades grimper sur une tour de guet au nord, près de la grotte. Je vais aller voir. Vous arriverez à rejoindre le rivage? Si tu trouves une issue, on y arrivera. D'accord. Ne bougez pas, restez ici. Pouvoir sortir. Merci. On se dirigera vers le rivage dès que possible. Allez. Je ferai mieux de trouver la tour de guet au nord. Il y a d'autres survivants sur ce promontoire. Natika doit être ici. C'est pas trop grave? Ça va aller. Voilà. Et pour les autres, alors? T'en fais pas, laisse-moi m'occuper des autres. Et repose-toi. Je suis Natika. Tu as atterri bien loin de l'Est, étrangère. Je... passais par là, c'est tout. Qu'est-ce que c'est que cet endroit? La marque sanglante. La dernière tempête a entraîné un déluge qui a détruit la moitié de la montagne. Une coulée de boue a dévasté le village. Il paraît que c'est grâce à toi que ces soldats se trouvent en lieu sûr. Mais il reste des disparus. Et moi, je dois rester ici. Je vais continuer les recherches. Si je trouve quelqu'un d'autre, je te l'enverrai. Je te remercie. Et si tu vois un soldat plus âgé, taciturne, incertain à Kentok, dis-lui... dis-lui que je suis là. Je retrouverai ça dans ma réserve. Ils ont dû
Mieux vaut utiliser autre chose que du gel. L'électricité peut lui faire beaucoup de dégâts.
Voilà. Ce Ténac devrait pouvoir partir. Je dois me tenir prête. Est-ce que tout le monde va bien? Maintenant, ouais, sans ces carapateurs qui rôdent. Tu sais te battre, toi. On a vu des camarades coincés dans les falaises à l'est. Ils ont aussi besoin d'aide, si t'as le temps. D'accord. Je vais voir ça. Est-ce que vous avez vu Kentok? Natika m'a demandé de le retrouver. Je l'ai pas vu depuis la coulée de boue. Très bien. Allez vers le rivage, de l'autre côté du village. Natika y soigne les rescapés. D'accord. Merci encore. Hé, toi, étrangère. Ici, on a des blessés ici. Il nous faut un moyen de les défendre. Tenez bon, je vais trouver une solution. Je dois trouver un moyen de faire descendre les ténacs de la falaise. Cette grande grue pourrait m'aider. Si j'arrive à la placer correctement, je pourrais leur fournir un pont. J'ai un pont, mais... elle doit être coincée par autre chose. Mon focus peut m'aider à chercher. Là, d'autres bravas. Mettre feu à cette flamme gemme devrait le dégager. La grue est en place. Comment la baisser pour atteindre la falaise? Je devrais jeter un œil au bas du bras de la grue pour voir s'il y a un moyen de la faire bouger. Pas si je tire dans ce sens. Je pense pas pouvoir tirer sur la barre d'ici. Je dois prendre de la hauteur. Le bras est coincé quelque part. Je devrais grimper pour aller voir. Hein ?
Attention! Ça va, c'est bon. Par le sang des 10, comment t'as réussi à faire ça? Je ne sais pas comment tu as fait, mais merci pour ce sauvetage. Est-ce que tout le monde va bien? Il s'est cassé la jambe sur des gravats pendant qu'on essayait de s'enfuir. Mais il survivra. Comment vous vous y êtes pris? Une coulée de boue a englouti tout le village pendant la tempête. Cette corniche dépassait tout juste des flots quand on a réussi à l'atteindre. Mais quand la tempête a fini par se calmer, l'eau s'était retirée. Et nous, on était coincés. Et on ne pouvait pas abandonner un de nos camarades. Vous pouvez rejoindre le rivage? Natika y est. Elle s'occupe des blessés. Natika? Louée soit les 10. On va aller la retrouver. Elle saura ce qu'on doit faire ensuite. Merci encore, étrangère. On va rejoindre le rivage. Ne nous attends pas. Oh, descends. C'est bon. Je crois que j'ai trouvé tout le sujet. Je n'ai pas vu Kenkop pour le moment. Je devrais retourner voir Natika. Pour lui dire. Repose-toi. Aloy, ces soldats sont en sécurité grâce à toi. Mais où se trouve Kentok? Je n'ai vu personne qui corresponde à sa description. Tu sais où il était quand c'est arrivé? C'est moi la dernière à l'avoir vu. Je lui ai dit que je voulais partir d'ici pour prêter serment à la garde du chef. Mais il a refusé de me libérer de l'escouade. Tous les guerriers Ténac sont obstinés, mais Kentok, il l'est bien plus encore. Alors, je suis partie. Je revenais par la crête d'en face quand j'ai aperçu la coulée. Tu revenais le voir pour t'excuser. Je dois le retrouver. Si quelqu'un peut survivre à une tempête, c'est lui. Tu dis que Kentok était ton chef d'escouade? Il m'a formé quand j'ai été affectée à son escouade. Il est aussi coriace qu'un carapeste. Aussi impitoyable que le désert. En tout cas, ma lame est plus redoutable et plus leste grâce à lui. Il m'a appris à combattre par devoir et non pour la gloire. Pour défendre un but qui te dépasse. Oui. Mais il veut que je reste attachée à cet endroit, plutôt que d'embrasser les ambitions de la garde du chef. Tu as dit que tu voulais prêter serment à la garde du chef. Est-ce que c'est ça, les maréchaux? Non. Les maréchaux parcourent le territoire du clan, sur les ordres du chef Ekaro. La garde reste au bosquet pour défendre le site et le chef. Mais comme pour les maréchaux, il n'y a qu'une poignée d'élus qui ont cet honneur. Et pourquoi Kentok ne voulait pas que tu partes? Il a dit que servir mon escouade et mon clan était un honneur plus grand. Mais on se contente seulement de récolter de quoi faire de l'encre. C'est moins important que protéger le bosquet et le chef en personne. Alors c'est la boue qui a fait ça? C'était une sacrée tempête. Il y en a de plus en plus depuis quelques années. Des pluies torrentielles, des orages violents, des vents qui font grincer les tours. Mais la dernière, ça a été la pire. Cette région était aussi aride que le reste du désert. Les tempêtes l'ont complètement transformée. Malgré toute cette eau, on a besoin de l'approvisionnement de la capitale. Pourquoi? Cette eau est contaminée par l'incarnite. C'est comme boire de l'huile de machine. Qu'est-ce que c'est, l'incarnite? C'est la pierre rouge qu'on ramasse. Notre encreuse à lance ardente la transforme en pigment pour pouvoir marquer notre peau. En échange de la pierre, nous recevons de l'eau. Les villages troquent leurs produits contre l'eau de la capitale. Nourriture, pièces de machine. Pour nous, c'est l'incarnite. On ne peut pas dire que ce soit vraiment passionnant. Je peux retourner voir, autour du village. Où l'as-tu vu pour le... Natika? Je suis là. Où est Kentok? Il a survécu? Nous allons le retrouver. Il m'a sauvé. Il m'a poussé sur le côté quand tout s'est effondré. Mais la coulée l'a emporté. Vers la crevasse.
La crevasse ? C'est un ancien passage qui mène sous la terre. Viens, je vais te montrer ça. Natika, on a besoin d'ordre. On est vulnérables ici. Peu d'entre nous peuvent manier une arme en cas d'attaque de machine. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse ? Vas-y. La crevasse est près de la colline, au nord-ouest d'ici. Je te rejoins dès que possible. Commençons par poster deux soldats. Ça doit être la crevasse. On dirait une ancienne mine. Des gravats bloquent complètement l'entrée. Kentok a peut-être été emporté là-dedans, par l'inondation. On va devoir faire le ménage pour entrer. Bon, voyons où ça nous mène. Vas-y doucement. Tu dois être Kentok. Comment ? Une étrangère connaît-elle mon nom ? Natika m'a envoyé à ta recherche. Le soldat que tu as sauvé nous a dit que la boue t'avait emporté. Alors ? Il n'a rien. Tant mieux. Et Natika, elle est revenue ? Oui. Elle était sur le chemin du retour quand la coulée de boue a eu lieu. Là, elle s'occupe des survivants. Je n'aurais pas dû refuser sa démission. Un soldat doit savoir se sacrifier pour le bien de la tribu. Avec le recul, je le reconnais. Je ne voulais pas qu'elle parte. La garde du chef va gagner un soldat inestimable. Après tout ça, au moins, je ne serai plus sur son chemin. Je sais reconnaître une blessure mortelle quand j'en vois une. Mon service pour le clan est terminé. Alors, laisse-moi. Non, tu ne vas pas mourir ici. Il doit y avoir un moyen de t'évacuer. Impossible. J'ai essayé de grimper, mais c'est sans espoir. Les murs sont trop glissants. L'eau arrive. De la surface. Mais pas du côté où je suis arrivée. Il doit y avoir une autre source. Si je la trouve, et que je la dégage, même si tu ne peux pas bouger, Kentok, je crois qu'il y a un moyen de te déplacer. Hé ! Il faut que tu restes éveillé. Je vais aller fouiller les alentours. Tu es comme Natika. Aussi tenace qu'une griffe de feu. Alors tu dois être habitué. Allez, ne bouge pas. Je vais te faire sortir de là. Cette eau doit bien venir de quelque part. Il va falloir que je grimpe pour trouver son origine. De l'eau sort de ce conduit.
Du métal dans ce mur, de l'autre côté. Je pourrais peut-être en extraire une partie. La cascade que j'ai vue en bas doit prendre sa source dans les environs. Je dois la trouver. L'eau vient de là-bas. Si j'utilise la flamme gemme pour ouvrir ce mur, tout est fragile. Je nous ai trouvé une sortie. On y est presque. Hé, hey, reste avec moi. Viens, Natika. Tu le feras toi-même. Elle a dit que tu étais un obstiné. Alors continue à te battre. Il disait ça à chaque combat d'entraînement. Parfois comme une insulte. Parfois comme un compliment. Mais en fait, il avait raison. J'ai toujours eu le choix de partir ou de rester. Je suis désolée que tu n'aies pas pu t'excuser. Moi aussi. Qu'est-ce que tu vas faire? Je ne sais pas encore. La marque sanglante a une chance de s'en remettre. Et ensuite, je pourrai rejoindre la garde du chef. Mais je dois d'abord le mettre en terre. Avec les honneurs d'un soldat. Aloy, attends. Tu as sauvé mes camarades, tu as drainé toute l'eau du village. J'aimerais te donner ceci. Merci. Et bonne chance. Quoi que tu décides.
descendre. Alors, de pas... Je sais. Et toi et moi. C'est un honneur, championne. Je suis Nako. Est-ce que, par hasard, tu serais allée dans la vallée des défunts? Je ne crois pas, non. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a? Mon idiote petit frère. La vallée est une épreuve d'endurance et d'habileté pour mon clan, celui de la plaine. Mais elle est fermée depuis des mois, par ordre de la commandante. Certaines personnes ont aperçu d'étranges lumières qui viennent du large, et toute la zone grouille de machines meurtrières. Mais Dax, ce petit inconscient, a quand même décidé d'y aller. Toujours à braver les interdits. Et il a convaincu deux jeunes de venir avec lui. Ça fait déjà plusieurs jours, et la maréchale Ivira a été envoyée pour les ramener. Des lumières étranges, des machines mortelles et des soldats en moins, ça fait beaucoup, même pour un maréchal. J'y serais allé moi-même, si j'étais pas de corvée de transport. Je t'aiderai à retrouver ton frère. Où est cette vallée? Au sud d'ici, en direction de la côte. Cherche une piste qui monte dans les falaises. Elle marque le commencement de la vallée. Et si tu vois mon frère, botte-lui le cul, franchement. Ça lui apprendra. C'est la maréchale Ivira, avec l'une des Ténacs disparues. Tu as vu ce qui s'est passé aussi bien que moi. Maréchal Ivira, on m'a dit que tu devais aller sauver des Ténacs dans la vallée. Je suppose que c'est l'une d'eux. Où sont les autres? Ils n'ont pas pu fuir. J'ai dû combattre plusieurs machines rien que pour évacuer Kenala. La vallée est fermée depuis des mois pour une bonne raison. Les machines se rassemblent là-bas, comme si quelque chose les attirait. Sans oublier les étranges lumières qu'on peut voir au large. La vallée est maudite, on n'aurait pas dû y aller. Ivira, tu étais l'une des participantes au Cool Route, celle qui a tiré sur le rampant à la baliste. Et tu es la championne qui l'a achevée, sauvée la vie du chef, révélée la vérité des visions. Je voulais juste essayer de me rendre utile. Tu m'as fait une sacrée impression. Et malgré le carnage, c'était un des plus beaux jours de ma vie. Je suis devenue maréchal. J'ai assisté à la vision de l'unité. Tu as dit qu'il y avait des lumières étranges au large? Elles viennent d'une île vers le sud. Elles sont apparues sans crier gare, à peu près au moment où les machines sont venues dans la vallée. Certaines personnes ont fait état d'un raie de lumière qui monte et descend dans le ciel, juste au-dessus de l'île. Je l'ai vue la quatrième nuit. Une flamme qui montait dans le ciel jusqu'à disparaître dans les étoiles. Est-ce qu'il y a un moyen de rejoindre l'île? Non. Les courants entre l'île et la côte sont bien trop forts. Tu mourrais noyé. Des lumières sur une île. Je me demande si ça a un lien avec les Zéniths. J'ai aucune idée de ce dont tu parles, mais... peut-être? Si la vallée est inaccessible depuis des mois, pourquoi vous y êtes allés? On voulait passer l'épreuve. La vallée est une épreuve pour les soldats de la plaine. Il faut y survivre 10 jours complets, et abattre toute machine qu'on trouve sur son chemin. Dax avait un plan. On devait chasser chaque machine, une par une, pour libérer la vallée et gagner le respect du clan. Mais on a été séparés d'Iveka après le 3e jour. Et puis les machines ont coupé notre issue. Quand la maréchale Ivira nous a trouvés, on était blessés et sans provisions. D'autres machines ont attaqué pendant notre fuite. Dax était juste derrière, mais il n'a pas couru assez vite. Beaucoup de machines en un seul endroit. C'est jamais bon signe. Je devrais aller voir, et essayer d'y mettre un terme. Alors je t'accompagne. Je me battrai aussi. Non. Tu devrais me laisser aller voir d'abord. Crois-moi, c'est mieux comme ça. D'accord, si tu insistes. Une fois dans la vallée, va vers les grandes chutes et la falaise au sud du démon de métal. Les machines semblent attirées par ces sites. Très bien. Merci. On finit de se reposer, puis on ira chercher de l'aide à falaise. Que les 10 guident ton arme, Aloy.